Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment réaliser très rapidement et très facilement des petits lapins de Pâques. C'est parti! Au niveau du matériel, j'ai utilisé du papier cartonné, du papier imprimé, des ciseaux, de la colle, un feutre, une règle et j'ai également eu besoin de mon imprimante pour imprimer un petit lapin comme ceci. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien de ce téléchargement en barre d'informations. Donc je commence tout simplement par découper mon lapin. Je prends mon morceau de papier cartonné, j'y pose mon lapin dessus et je fais le contour avec mon feutre. Voici ce que j'obtiens. Mon lapin, je le retourne, je le pose à ce niveau en laissant environ 2,5 cm de distance. Donc je trace un trait à ce niveau et un autre ici. Et ensuite, je fais le contour. Voici ce que j'obtiens, ensuite je découpe. Je prends ma pièce et je la pose sur mon papier imprimé, je fais ensuite le contour avec mon crayon et je découpe. Après ça, je colle mon papier imprimé sur mon papier cartonné. Une fois que c'est collé, je retourne ma pièce et je vais venir la plier au niveau des traits. Donc vous pouvez voir sur le côté que j'ai mis des petits morceaux de papier que j'ai collés sur ma pièce mais qui au final sont vraiment inutiles donc je vous montre pas cette étape. On va, comme je vous l'ai dit, plier à ce niveau et enchaîner directement avec la suite. Donc vous voyez les petits morceaux de papier dont je vous parlais, je les ai collés ici au niveau du bas. Ils sont pas utiles comme je vous l'ai dit, donc ça sert à rien que je vous montre. Après, si vous de votre côté vous voulez les mettre, c'est pas un souci, mais ils serviront pas à grand chose. Donc maintenant, je vais avec ma perforatrice venir faire deux trous, donc en essayant de les aligner correctement l'un en face de l'autre pour pouvoir y enfiler le ruban. Et ensuite, faire un joli nœud. Voici le résultat. Il ne reste plus qu'à placer les chocolats dans un petit sachet, donc en faisant un joli petit emballage avec un nœud. On place ensuite le sachet de chocolat dans le lapin et le tour est joué. C'est terminé. Voici ce que ça donne. Pour un peu plus de détails, à la dernière minute, j'ai décidé d'ajouter des yeux. Donc j'ai mis des attaches parisiennes de votre côté. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre une perle ou bien faire ça tout simplement au feutre noir. Pour une jolie déco, n'hésitez pas à faire comme moi et à réaliser plusieurs couleurs différentes. Et le tour est joué. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos. En attendant, je vous fais tout plein de bisous. Bye !